La numérisation se fait également une place dans le secteur de la construction. Et bien sûr, chez Geberit, nous nous intéressons aux applications numériques depuis maintenant quelques années. Nous nous sommes fixé l'objectif de soutenir nos clients dans leur travail quotidien. Et nous le faisons non seulement avec de bons produits, mais aussi avec des outils numériques astucieux. Au cours des trois dernières années, nous avons conçu plus de 30 outils numériques pour les installateurs, les planificateurs, les salles d'exposition et les utilisateurs finaux. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos groupes de clients pour mettre au point ces outils numériques. Nous voulons ainsi nous assurer que nous répondons aux besoins spécifiques des clients avec nos outils et que nous leur apportons une réelle valeur ajoutée. Mes collègues vous présenteront ensuite en détail une sélection de nos outils. Mais nous commençons d'abord par un bref aperçu de notre environnement d'outils. En discutant avec nos clients, nous constatons que les outils numériques contribuent à leur simplifier la vie. En tant qu'installateur, planificateur, revendeur, architecte ou décorateur d'intérieur, vous connaissez très bien le processus d'un projet de salle de bain caractéristique. Comme vous le savez, il y a les étapes importantes suivantes. Inspiration. Un projet démarre toujours par une phase d'inspiration au cours de laquelle les idées initiales de salle de bain sont conçues et rassemblées. Spécification. Les idées sont ensuite concrétisées et couchées sur le papier à l'aide d'un distributeur partenaire spécialiste. Planification. Il est alors procédé à des clarifications techniques concrètes et la situation de construction est planifiée en détail. Installation. Le projet est alors enfin mis en œuvre et remis au client, à la cliente. Service. Une assistance de vraiment bonne qualité tout au long du cycle de vie contribue de manière décisive à la satisfaction du client, de la cliente. Nos partenaires souhaitent surtout se concentrer sur ce qu'ils savent faire de mieux. Les installateurs veulent par exemple se consacrer au montage, les planificateurs veulent planifier et les revendeurs veulent bien sûr conseiller les clients et vendre. Nos outils numériques vous aident à vous concentrer davantage sur ce que vous aimez faire et votre métier. À l'aide de nos outils numériques, vous pouvez réduire le temps que vous passez à des tâches longues et fastidieuses. Regardons quels outils numériques Geberit a déjà mis au point. Outils d'inspiration. Les utilisateurs finaux trouvent l'inspiration. Ils s'adressent souvent à nous, qui sommes des fabricants, avec des idées initiales et des exigences spécifiques. Bien sûr, nous les dirigeons avec plaisir vers nos distributeurs partenaires spécialisés. Salle d'exposition de plaques de déclenchement pour WC. Les clients, tout comme les grossistes ou les détaillants, peuvent découvrir le vaste spectre d'options de design, de matériaux et de fonctions. Donc, tout ce à quoi nous pouvons répondre avec nos plaques de déclenchement. Salle d'exposition virtuelle. Les partenaires professionnels et les utilisateurs finaux peuvent découvrir virtuellement notre gamme de produits et y puiser leur inspiration. Vous y trouverez en outre des informations complémentaires sur chaque produit sous la forme d'illustrations, de vidéos ou de liens vers notre site web. Spécification. Outils d'application industrielle. L'outil industriel aide les planificateurs spécialisés à sélectionner le système de tuyauterie adapté au moyen d'un processus de validation automatique. Outils de spécification. L'outil de spécification de Geberit aide les architectes et les planificateurs à sélectionner les produits corrects pour leur projet. Vous voyez tous les éléments nécessaires pour un montage. Et un système de filtre avancé vous permet de n'afficher que les produits compatibles avec vos spécifications. Conception. Calculateur GIS Duofix. Les installateurs ainsi que les grossistes peuvent créer les parois Geberit GIS ou Duofix souhaitées sur leur smartphone ou leur ordinateur de bureau en seulement quelques étapes. De la définition de la paroi d'installation à son calcul définitif pour les listes de matériel et de coupe, en passant par la sélection des objets. Détermination Geberit des dimensions de conduite. Les installateurs peuvent utiliser cet outil pour trouver rapidement les dimensions de conduite qu'ils doivent appliquer à leur installation. Planificateur de salle de bain en ligne.
Le planificateur de salle de bain en ligne aide les installateurs et les utilisateurs finaux à visualiser leur salle de bain. Une fois bien informés, ils peuvent alors visiter une salle d'exposition réelle de nos partenaires professionnels. Catalogue en ligne. Le catalogue en ligne aide les grossistes et détaillants à trouver rapidement les produits désirés. Il comprend toutes les données relatives aux produits, spécifications, documents ou vidéos de montage nécessaires. Montage et entretien. Application Geberit Pro. Lors du montage ou de l'entretien sur place, les installateurs peuvent lancer l'application Geberit Pro sur leur smartphone et consulter des informations importantes sur les produits ou les pièces détachées. Ils peuvent aussi y trouver des documents supplémentaires tels que des instructions ou des vidéos de montage. Ce ne sont que quelques exemples de la façon dont, chez Geberit, nous soutenons nos différents clients avec des outils numériques. Et nous mettons constamment au point de nouveaux outils. Ces outils numériques ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Cela peut par exemple être dû à des réglementations juridiques ou relatives aux bâtiments. Nous nous efforçons cependant de mettre ces outils numériques vraiment utiles à la disposition de beaucoup plus de clients dans le monde entier. Dans ce processus, nous nous attachons également à écouter les commentaires de nos clients sur nos outils numériques. Par conséquent, si vous avez des suggestions, des critiques ou des idées d'amélioration, n'hésitez pas à contacter votre conseiller clientèle Geberit local. Examinons maintenant d'un peu plus près quelques outils numériques sélectionnés. Ceux-ci sont vraiment plutôt simples à utiliser. J'aimerais à présent vous donner une vue d'ensemble des autres choses que vous pouvez faire sur le chantier à l'aide de notre application destinée aux artisans Geberit Pro. J'ouvre l'application Geberit Pro sur mon téléphone mobile. Et je vois maintenant ici mon écran de démarrage. Nous avons regroupé les fonctions les plus utilisées en haut. Je démarre avec « Rechercher », qui est l'un des éléments centraux de l'application Geberit Pro. Et j'ai ici la possibilité de rechercher par nom ou par numéro de référence. Les résultats de la recherche sont répartis en différentes catégories qui me permettent d'obtenir l'information que je recherchais le plus rapidement possible. Si je reviens à l'écran d'accueil, je peux voir ici l'identification du produit. L'identification du produit peut être utilisée pour obtenir une information sur une plaque de déclenchement ou une commande d'urinoir le plus rapidement possible. L'an dernier, nous avons ajouté une fonction de reconnaissance d'image. Cela me permet de prendre la photo d'une plaque de déclenchement. À l'aide de l'application Geberit Pro, je reçois alors une réponse automatique indiquant le modèle du produit au lieu d'avoir à rechercher cette information manuellement. Je peux maintenant voir que la plaque a été reconnue et je peux poursuivre vers l'information souhaitée. Je voudrais ensuite vous montrer la rubrique My Geberit. J'ai la possibilité d'enregistrer pour moi-même les produits, liste de pièces détachées ou documents les plus utilisés et favoris, et ainsi de les avoir toujours à disposition en accès rapide. Pour vous montrer comment procéder, j'ouvre le catalogue. Dans mon cas, je veux enregistrer l'AquaClean Mera. Au niveau des trois points en haut, je peux cliquer sur « Favoris ». Je reviens alors à « My Geberit » et je vois le Geberit Mera sur la liste. La prochaine fois que j'ouvrirai l'application, le Mera y sera déjà et je n'aurai plus besoin de le rechercher manuellement. Parfois, il se peut que j'ai besoin d'une information à un endroit où je n'ai pas de connexion Internet, comme dans un sous-sol. Dans de tels cas, il peut être difficile d'obtenir l'information sur le produit à partir de l'application. Nous avons mis au point, à cet effet, une fonction de téléchargement qui peut être utilisée dans la rubrique My Geberit. Je n'ai qu'à basculer ici. Et l'information est à ma disposition, même sans connexion Internet. Cette fonctionnalité, ainsi que de très nombreuses autres fonctions utiles, sont disponibles rapidement et facilement sur l'application Geberit Pro. L'application est perfectionnée en permanence pour pouvoir vous fournir les informations de produits nécessaires directement sur le chantier, de manière plus rapide et plus fiable. Si vous avez des suggestions ou des idées de nouvelles fonctions pour l'application, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment ou à laisser un commentaire dans les boutiques d'applications.
Le catalogue en ligne de Geberit est une solution facile à utiliser qui vous aide à trouver nos produits et toutes les données associées. L'outil peut être utilisé au moyen de la navigation globale bien structurée ou à l'aide de sa fonction de recherche intuitive et plutôt intelligente. Sur l'écran de démarrage, je peux d'abord choisir la catégorie de produits principale, par exemple, système de salle de bain ou système d'alimentation. Lorsque je passe sur la tuile d'une catégorie, j'accède à des sous-catégories supplémentaires. Par exemple, lavabo. Après avoir choisi les sous-catégories requises, je peux voir une vue d'ensemble de tous les produits associés. Ces produits peuvent ensuite être filtrés par plusieurs critères, par exemple par collection de produits. Lorsque je clique sur un produit spécifique, la page des détails du produit s'ouvre. Celle-ci affiche toute une série d'informations sur le produit, par exemple, configuration possible de cet article, données techniques, caractéristiques, accessoires disponibles, documents et vidéos. L'immense avantage du catalogue en ligne est que je peux maintenant télécharger diverses données de produits sans même avoir à m'identifier nulle part. Toutefois, si je choisis de m'identifier, je peux bénéficier d'encore davantage de fonctionnalités. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite, plus en détail. Je vais me connecter avec mon identifiant Geberit ou créer d'abord un nouvel identifiant. Dès que je me suis identifié, je peux ajouter des produits à une ou plusieurs listes. Lorsqu'une liste a été créée et que des produits ont été ajoutés, je peux télécharger les données de tous les produits disponibles sur cette liste. Je peux également créer des catalogues ou des catalogues d'échantillons au format PDF et les partager avec les personnes de mon choix. Pour ajouter davantage de produits dans une liste, je peux répéter les étapes montrées précédemment ou simplement importer plusieurs numéros de référence en bloc. La fonction de recherche initialement mentionnée est très facile à utiliser. Dès que vous commencez à saisir un nom de produit, une catégorie de produit ou un numéro de référence, vous obtenez en temps réel une liste de résultats. C'est vraiment simple. Thank you very much for your attention. Sur notre site web, vous trouverez la salle d'exposition numérique des plaques de déclenchement que nous avons créée en collaboration avec nos utilisateurs. Nous pouvons ainsi répondre exactement à leurs besoins. Avec cet outil, nous proposons un service qui facilite la visualisation et l'exploration de la grande diversité des options de design, des styles et des matériaux de nos plaques de déclenchement. Jetons un coup d'œil à cet outil. Nous pouvons démarrer le processus d'inspiration ou de recherche selon vos préférences. Si je cherche surtout de l'inspiration, je peux facilement utiliser notre système de filtres. Disons que les plaques de déclenchement rondes m'intéressent particulièrement. Si je clique sur l'option de filtre correspondante, j'obtiens directement une vue d'ensemble de tous les résultats conformes à mes critères de sélection. Sur les pages des détails du produit, je peux trouver davantage d'informations sur les plaques de déclenchement. Ici, par exemple, je vois plus de renseignements sur les matériaux, les couleurs, les fonctions ou des idées pour les étapes suivantes. On me propose des expositions dans ma région ou on me donne d'autres outils d'inspiration ou de planification. Je peux ainsi jeter un regard encore plus approfondi sur la planification de ma salle de bain. Si je suis un utilisateur, une utilisatrice qui connaît davantage nos plaques de déclenchement, je peux aussi simplement utiliser l'option « Tout afficher ».
Je peux ensuite décider de la plaque que je souhaite regarder plus en détail. Enfin, si j'ai précisé mes préférences, je pourrais vouloir les comparer, ce que je peux faire facilement en accédant à l'option « Comparer les plaques de déclenchement » de la page de démarrage. Si je veux en savoir encore plus sur chacune des caractéristiques uniques, je peux le faire en cliquant sur « Geberit Funktionen », fonction Geberit. Une telle caractéristique pourrait par exemple être le module d'aspiration des odeurs du HoFresh, qui est compatible avec de nombreuses plaques de déclenchement Geberit de la collection Sigma. Merci beaucoup. Notre parcours dans l'univers numérique de Geberit touche ainsi maintenant à sa fin. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter pour nous transmettre des suggestions, des critiques ou des propositions d'amélioration des outils numériques. Contactez tout simplement votre conseiller clientèle Geberit local. Je voudrais vous inviter à tester nos outils numériques. Ceux-ci sont vraiment très simples, vous feront gagner du temps et vous permettront de vous concentrer davantage sur ce que vous faites particulièrement bien.